plusieurs difficultés. Tout d'abord, trouver des jeunes artistes, et surtout de qualité. Donc pour ça, il faut une grande organisation, il faut avoir des contacts dans les conservatoires du monde entier, et il faut s'entourer de relais pour faire connaître son concours. La seconde difficulté est de bien choisir son orchestre, son chef d'orchestre et naturellement son répertoire. Avoir un répertoire intéressant, cohérent, qui permet de déceler quels seront les grands artistes de demain. C'est un poids très important dans notre concours, et comme nous suivons nos artistes, c'est-à-dire non seulement ils viennent, ils peuvent être engagés, mais en plus nous les gardons, nous faisons des concerts, nous sommes amenés même à aller à l'étranger avec eux, tout en leur faisant chanter français. Donc ça, c'est une spécificité que nous avons souhaitée. L'autre spécificité, mais qui n'en est peut-être pas une, c'est que nous les accueillons à nos frais pour justement les aider dans leur démarche de jeunes chanteurs. Mon prochain grand projet artistique sera de faire un concert franco-russe à Paris ou dans un grand théâtre proche de Paris.